L'aventure Millennium, pour moi, commençait en 2010. C'est cette année-là que j'ai proposé aux éditions Dupuy de faire une adaptation en bande dessinée des trois romans de Stieg Larsson. En fait, il se trouve que ça fait une quinzaine d'années que je partage ma vie entre la France et la Suède. C'est comme ça que j'ai découvert très tôt les romans de Stieg Larsson, qui m'ont tout de suite intéressé, à la fois parce qu'il parlait d'une ville, Stockholm, que je connais, d'une société, la société suédoise que je connais, et qui abordait des sujets qui, moi, m'intéressaient depuis très longtemps. La montée de l'extrême droite, le féminisme, la violence contre les femmes. Qu'est-ce que le journalisme aujourd'hui? J'ai tout de suite aussi été fasciné par les personnages principaux de ce roman. Ce journaliste, Mikael Blomqvist, Lisbeth Salander, évidemment, cette hacker anarchiste. L'environnement de ces romans m'est très familier, puisque que ce soit les bureaux de Millennium, l'appartement de Mikael Blomqvist, les lieux de vie de Lisbeth Salander, ce sont des lieux que moi je vois au quotidien quand je vis à Stockholm. C'est en fait comme ça que les ayants droit de Stieg Larsson, ayant été contactés par les éditions Dupuy, nous ont donné la possibilité de faire cette adaptation en bande dessinée des trois premiers romans, qui ont abouti à 6 tomes, qui ont été mis en image par Homs et Mann. Et à la suite de la publication de ces adaptations, les ayants droit m'ont ensuite demandé si j'étais intéressé pour faire l'adaptation des nouveaux romans qui allaient être publiés par un autre auteur suédois cette fois-ci. Et c'est à ce moment-là que mon éditeur leur a dit que moi j'avais mes propres idées pour la suite de Millennium, une suite inédite. Ils m'ont demandé en fait de leur dire de quoi il s'agissait. Et en fait ils ont été très, très enthousiastes. Et c'est comme ça que j'ai eu cette opportunité incroyable de pouvoir écrire ma propre suite des trois romans originaux de Stieg Larsson. Et c'est comme cela qu'est né Millennium Saga, avec la dessinatrice Belén Ortega qui a mis en image ces récits inédits.